Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette quatrième session de Acheter ou louer aux USA. On sillonne pendant toute la semaine les États-Unis à la rencontre d'experts immobiliers, agents, experts en financement, en devises et puis experts en fiscalité. D'ailleurs, pour ceux qui ont peut-être zappé la deadline des taxes, c'est demain soir, donc n'oubliez pas. On a donc aujourd'hui une session sur l'investissement en Airbnb à Miami. On va aussi prendre toutes les questions qui sont sur le process d'achat, les gens qui souhaitent potentiellement louer à Miami, acheter à Miami, n'hésitez pas. Mais on va pas mal parler d'Airbnb parce qu'en ce moment, il y a des grosses actus et je vous en dis pas plus, Michael va tout nous dire. Donc, n'hésitez pas à liker cette vidéo, on ne le dit pas assez souvent. On est en live sur YouTube, LinkedIn, Facebook. Donc, n'hésitez pas à liker, ça doit se trouver peut-être quelque part par là. C'est important pour nous puisque ça permet de remonter et puis ça permet aux gens, à plus de gens de voir nos vidéos. Et n'hésitez surtout pas aussi à partager la vidéo à des amis en message privé ou en public pour faire profiter l'information qu'on donne à tout le monde. Alors, on va tout de suite accueillir Michael Wiesenfeld. Il est agent immobilier à Miami depuis un certain temps maintenant. Et Michael, est-ce que tu es là? Oui, je suis là. Ok, top. Bonjour à tous. Bonjour. Merci de prendre le temps aujourd'hui. On va démarrer par faire un petit état du marché. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu si on est sur un marché d'acheteurs ou de vendeurs? Parce que c'est un peu toujours la première question qui vient quand on réfléchit à acheter un bien à Miami. Là, aujourd'hui, on est clairement dans un marché très actif avec une très forte demande qui continue à grandir. Ça fait quasiment 8 mois qu'on dit ça. C'était très porté sur les maisons. Et comme prévu, ça s'est orienté vers les condominiums. Et très clairement, depuis le mois de février, on est aussi rentré dans un marché de vendeurs pour les condominiums avec une très forte demande, très peu de biens et des prix qui montent. Mais ça reste quand même aujourd'hui, les condominiums restent aujourd'hui quand même plus intéressant que les maisons parce que bon, il y a quand même un peu plus d'appartements que de maisons sur le marché, même si dans les deux cas l'inventaire est très bas. Mais voilà, dans le marché maison, c'est extrêmement vendeur, et dans le côté vendeur que le pouvoir est, et dans le côté maison, côté appartement condominium, c'est aussi vendeur, mais relativement moins, quoi, on va dire. Mais le marché est très, 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 très chaud, aussi bien à la vente qu'à la location, parce qu'il y a très peu d'inventaire dans les deux cas. Donc, les prix des loyers, comme vous l'avez peut-être entendu, se sont envolés, pas sur tous les types de biens, mais sur les biens qui sont centraux, dans des immeubles pas mal à immeubles haut de gamme, ont augmenté de 40 à 60%. En quelques mois. Tu peux juste redéfinir pour les gens qui nous suivent de France, peut-être qui ou d'ailleurs, ce que c'est un condominium. Oui, tout à fait. Alors, bon, aux États-Unis, il y a deux sortes. Il y a les coops. Les coops, c'est une copropriété dans laquelle votre appartement correspond à une part, un pourcentage de la copropriété, un peu comme des actions dans une société. À Miami, on n'a pas, ça existe quasiment pas. Donc à Miami, on a des condominiums. Et condominium, c'est le format auquel vous êtes habitué en Europe, c'est-à-dire que vous avez un appartement, il vous appartient à vous, et c'est pas une participation dans un immeuble. Voilà. Donc le condominium, c'est ce que vous appelez en France un appartement. Et nous, ce qu'on appelle un appartement ici, ça va plus être des appartements dans des immeubles qui sont 100% locatifs. Donc des immeubles dont les appartements n'appartiennent pas à des propriétaires. Ils appartiennent à des groupes qui possèdent tout l'immeuble. Et donc, c'est ça qu'on appelle appartement. Donc, appartement, ici, c'est plutôt lié au locatif. Mais aujourd'hui, on va parler que de condominium. Donc, d'appartement, comme vous l'entendez en France ou ailleurs en Europe. Ça marche.
Donc, je viens de tester. Hein. Pour les gens que ça intéresse, vous pouvez prendre directement contact avec Michael en scannant son QR code. Et là, vous arrivez directement sur son mail. Et donc, vous pouvez lui demander des questions complémentaires que vous souhaitez peut-être aborder en privé. Mais en tout cas, n'hésitez pas à poser un maximum de questions. Là, je vois Muriel qui nous dit merci pour ce partage très intéressant. Ben, merci Muriel d'être là. Donc, n'hésitez surtout pas. Moi, j'ai accès à toutes les questions, que ce soit sur Facebook, YouTube, LinkedIn. Elles arrivent directement là. Donc, allez-y. On va continuer. Donc, on avait une autre question qui était arrivée pour toi. Est-ce que tu… Parce que Airbnb a toujours pas mal de règles locales. C'est quoi les règles aujourd'hui à Miami en matière de location courte durée versus courte durée? Est-ce qu'on peut faire du Airbnb partout à Miami? Alors non, on ne peut pas faire du Airbnb partout à Miami. Et en réalité, donc Miami, je ne sais pas si les gens ont la carte de Miami bien en tête. Donc, je vais afficher la carte ici. Voilà. Donc, sur la droite, c'est Miami Beach. Sur la gauche, c'est Miami. Je ne pense pas que vous voyez ma souris. Hein. Où est-ce que vous la voyez? Moi, je ne vois pas ta souris, non. Ah, bon, il n'y a pas de souci. C'est juste pour savoir ce que vous voyez. OK, très bien. Donc, sur Miami Beach, il y a un énorme lobby des hôtels puisque l'économie de Miami Beach dépend énormément de l'hôtellerie et du tourisme. Donc, eux sont toujours en bataille avec Airbnb et la ville pour pouvoir autoriser Airbnb. Donc, il n'y a que très peu d'immeubles à Miami Beach qui autorisent le Airbnb. Il y en a 3-4 qui sont dans la catégorie ultra luxe, c'est-à-dire à 30 000 dollars, disons 25 000 dollars le mètre carré et plus, comme le Setai, comme le W, etc. Il y a un peu moins cher, et je le montrerai plus tard, sur la baie, toujours côté Miami Beach, qui s'appelle le Mondrian. Mais sinon, c'est à peu près tout. L'essentiel de Miami Beach, interdire le Airbnb. À Miami même, c'est plus flexible parce que ça dépend nettement moins du tourisme et de l'hôtellerie. Donc, c'est beaucoup plus facile. Mais en réalité, quelle que soit la zone dans laquelle vous vous trouvez, ce sont les buildings au final qui décident des règles. Donc, vous pouvez avoir un immeuble qui est dans une zone qui permet la location courte durée, mais l'immeuble ne la permet pas. Donc, d'où l'importance au départ, quand vous voulez faire un achat, si pour vous c'est important de faire du court durée, de bien voir avec votre agent si la zone le permet et si l'immeuble le permet et si l'immeuble le permet, dans quelles conditions. Donc, on parle toujours de Airbnb comme étant de la location de un jour, deux jours, trois jours, mais bon, ça fait bien longtemps que, parce que c'était ça au départ, et ça fait bien longtemps que ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, il faut redéfinir Airbnb. Airbnb, c'est comme le Google de la location meublée, que ce soit pour louer un mois ou un an. Donc nous, par exemple, tous nos produits en gestion meublée, on les met sur Airbnb et souvent, on les loue pour 6 mois et plus. Donc, quand on dit Airbnb, ça ne veut pas forcément dire court terme, mais c'est vrai que dans le langage commun, c'est le cas. Donc, aujourd'hui, quand on dira location Airbnb, ça voudra dire location entre un jour et un mois, donc du court terme. Voilà, j'avais autre chose à dire, mais je me suis un peu perdu sur ce que je voulais dire par rapport à la location Airbnb et à la réglementation. Donc, ça dépend de la géographie. Ça dépend des règles du building qui vont définir la durée. Donc, très peu de buildings autorisent moins d'un mois. Certains buildings, surtout côté gauche de la carte à Miami, acceptent le 1 mois et plus. Mais l'essentiel des buildings, c'est 6 mois et plus. C'est la règle. Et c'est pour ça que les immeubles qui ont le Airbnb sont en forte demande parce qu'il y en a très peu. Avec l'explosion des prix des hôtels ces derniers temps, ça a encore plus alimenté l'envie des investisseurs d'acheter dans des immeubles autorisant Airbnb pour pouvoir surfer sur cette vague des hôtels extrêmement,
extrêmement cher et donc se positionner avec un produit un peu plus compétitif, tout en restant cher, mais plus compétitif que l'hôtel et offrant plus de services parce que vous avez la cuisine, etc., etc. Voilà, et donc les administrations locales ont accordé cette dernière année beaucoup de licences permettant à des nouvelles constructions qu'on verra un peu plus tard de créer des buildings qui ont en soi, dans leurs règles de copropriété, l'autorisation de faire du Airbnb à la nuit ou au mois. Donc, c'est plus quelque chose qui va être défini a posteriori par une copropriété, c'est quelque chose qui est défini avant et donc qui est connu des acheteurs qui vont s'engager à acheter dans tel ou tel immeuble parce que justement, il autorisera Airbnb et il sera conçu pour accommoder une clientèle qui va et qui vient, contrairement à un immeuble où les locations minimum sont de 6 mois. Voilà. Et donc, ça, c'est tout à fait nouveau. Sur la partie gauche, de tête, il n'y en avait que un, par exemple, sur Brickell Downtown, donc c'est la partie gauche sud, qui autorisait le Airbnb. Maintenant, dans cette partie-là, il va y en avoir 8-9. Voilà. Et sur Miami Beach, ça ne va pas trop changer pour le moment. Mais encore une fois, n'hésitez pas à scanner le QR code et on, pour ceux qui sont intéressés, on peut faire un call ou un zoom pour adresser tout ça au cas par cas. Ok. À Miami, il y a beaucoup, beaucoup de changements avec l'arrivée des nouvelles personnes. C'est quoi il faut investir. Il faut investir quoi, pardon? Il faut. J'ai un écho. Je ne sais pas pourquoi j'ai un écho. Il faut acheter dans quoi aujourd'hui? En produit Airbnb ou en général? En général, qu'est-ce qu'a le vent en poupe en ce moment à Miami? C'est bon, les condos, parce qu'il y a une très forte rentabilité. Enfin, il y a une très forte rentabilité ou une rentabilité assez certaine avec une très forte demande, disons, de par l'augmentation énorme des loyers. Et les produits Airbnb, pour moi, sont vraiment les produits les plus intéressants, car il y en a très peu, comme j'ai dit, même si aujourd'hui, il y a eu ces licences qui permettent à ces nouveaux buildings de se faire, il reste quand même assez marginal. Par rapport à l'ensemble du parc de condominiums, et ils ont un vrai plus par rapport aux autres, c'est que vous pouvez en faire ce que vous voulez. Si vous voulez le louer un jour, vous le louez un jour. Si vous voulez le louer un an, vous le louez un an, alors que les autres buildings ne vous permettent pas de faire ça. Il y a beaucoup de gens qui disent « j'aimerais investir dans un bien, y venir 2 semaines ou 3 et le louer le reste de l'année ». En réalité, de façon pratique, ça, c'est très, très compliqué parce que la plupart des immeubles, c'est 6 mois et plus. Donc, une fois que vous avez commencé à louer, on remarque que les gens qui voulaient faire ça ne viennent jamais dans leur bien. Et quand ils viennent à Miami, ils viennent à l'hôtel. Alors que si vous achetez dans un bien Airbnb qui permet Airbnb, vous pouvez tout simplement bloquer vos dates et vous n'avez pas de soucis pour en profiter également tout en louant et en créant des revenus pour vous-même. Après, faut savoir que forcément, un bien qui est loué de façon intensive a plus de frais de management qu'un bien en location classique de 1 an. Donc, on parle de… En prenant les commissions d'agent et le management, pour un bien qui est loué à l'année, on parle de 15% en gros de frais. Ça comprend les commissions pour l'agent du locataire, l'agent du propriétaire et les frais de gestion, jusqu'à 25% pour un bien qui est loué à la nuit, à la semaine ou au mois. Donc, ça fait une petite variation. En règle générale, il y a, je dirais, un avantage à louer en Airbnb de façon active. Ça génère à peu près 15%, 20% de plus, même si aujourd'hui, les loyers sont tellement élevés qu'on arrive à s'y retrouver avec des locations longue durée de 1 an. Donc après, c'est un peu au cas par cas en fonction du type de produit et une décision
à prendre. Il y a des gens qui se disent, bon, je préfère faire un peu moins, mais avoir moins de frais et plus de stabilité dans mes rentrées et dans mes dépenses, quitte à faire un peu moins. Et il y en a d'autres qui essayent de maximiser. Et pour ces gens-là, le Airbnb, c'est ce qu'il y a de mieux. Voilà. Ok. Bon, ça répond bien à une des questions qu'on avait, qui était entre l'arbitrage sur le court terme versus le long terme. Je pense que ça répond bien à cette question. J'aimerais bien montrer, si c'est possible, quelques exemples de biens. Bah vas-y, ouais. Voilà, pour que les gens, l'audience ait un peu une idée des prix. Donc, ça, c'est à Downtown Miami. Donc voilà, c'est typiquement un nouveau projet qui a obtenu cette licence-là, donc type de building qui n'existait pas avant, parce qu'il n'y a pas vraiment eu de building avec une licence Airbnb. C'était plutôt des buildings qui étaient des buildings hôteliers qui permettaient ça a posteriori. Donc, comme vous pouvez le voir, les studios commencent à 330 000 et les deux bedrooms, donc les trois pièces, commencent à partir de 611 000. On est aux alentours, sur un produit comme ça, aux alentours de 700 dollars le square feet, donc 7 600-8 000 dollars le mètre carré. Et ça vient meubler et fini totalement. Donc, cuisine, salle de bain, décoration, etc., etc. C'est des immeubles qui ont tous les services. Et qui va être livré en fin 2002 et qui permettra la location journalière. Un autre building, toujours dans le même quartier de Downtown, dans la même zone de prix, 8 500 dollars le mètre carré, entre 460 000 dollars et 735 000 dollars en fonction du type de bien, one bedroom ou deux bedroom. Celui-ci sera livré en 2025 et donc il vient aussi fini. Comme vous le voyez, c'est très joliment fini et meublé. C'est très bien placé à Downtown, au centre de Miami. Là, vous avez une catégorie, donc toujours dans la catégorie Airbnb, qui permet la location journalière, beaucoup plus chère. Donc là, c'est à Brickell. Brickell, c'est vraiment le quartier qui est au centre de toute l'attention de Miami depuis quelques années. C'est pour ça que, pour moi, Miami a connu cet essor incroyable. Grâce au développement de Brickell, vous avez énormément de grosses sociétés qui viennent de s'y implanter, comme Amazon, Google, etc. Et tous les restaurants, les hôtels haut de gamme. Le cœur de Miami est à Brickell, selon moi. Miami, Downtown, etc. Donc là, vous êtes sur des produits qui, en valeur, ne commencent pas plus cher, mais au mètre carré, sont beaucoup plus chers. Donc ça commence à 489 000 dollars et ça va jusqu'à 1,4. Mais là, on est à 12 000 dollars plus du mètre carré. Ça vient complètement meublé et fini. Ça va être très haut de gamme avec service hôtelier. Il y a tout à pied, il n'y a pas besoin de voiture. Donc, c'est idéal pour les gens qui sont là en mission pour un certain temps, une semaine, un mois ou plus, ou pour des gens qui souhaitent venir en vacances quelques jours. Voilà. Vous pouvez faire ce type de location. Un autre type de bien, alors ça, c'est au mois, c'est à Midtown, qui est au-dessus de Downtown, qui est à côté du Design District de Wynwood. Vous connaissez peut-être la chaîne d'hôtel Le Standard. Il y en a un qui est d'ailleurs très connu à Miami. Donc, eux, ils se lancent avec un concept de résidence, mais ça va être de la location au mois. Pareil, meublé, fini, et on est sur 10 000 dollars du mètre carré. Donc, eux, c'est location au mois. On ne peut pas faire moins qu'un mois, mais il y a quand même le service hôtelier, etc., etc. Après, pour ceux qui veulent acheter quelque chose qui soit immédiatement disponible, parce que tout ce qu'on a vu, c'est entre 2023 et 2025, ce qui a comme avantage aussi l'échéancier de paiement, parce que si vous vous positionnez sur un de ces biens aujourd'hui, un bien qui sera livré en 2024, vous allez payer 10% aujourd'hui, 10% dans 3 mois, 15% dans un an, etc., etc., et 50% le jour de la livraison. Donc, vous allez payer 50% sur 2 ans, 3 ans, et ensuite les 50% restants à la livraison que vous pouvez faire financer éventuellement si vous le souhaitez. Donc, si vous souhaitez quelque chose de disponible aujourd'hui, il n'y a pas grand-chose. Il y a soit les produits très chers, je ne vais pas en parler, qui sont entre 25 000 et 40 000 dollars le mètre carré, soit ces deux produits-là qui marchent extrêmement bien.
Lycon Brickell qui est en problème Brickell avec une extrêmement bonne situation. Donc là, on commence à 650 000 $ pour les studios one bedroom jusqu'à à partir de 850 000 $ pour les deux bedrooms, mais ça va jusqu'à 1 million, disons. Ça génère du, ça dépend, hein, ça génère du 6-7%. Voilà, ça dépend du type de bien, de l'intensité de la location, etc., etc. Donc ça, c'est des appartements qui existent déjà, ils sont forcément finis, mais ils sont pas forcément meublés. Donc ça dépend du deal qu'on fait avec le vendeur. Si il a des meubles et que les meubles nous plaisent, on peut bien sûr les inclure dans l'acquisition. Un autre produit qui marche bien, c'est le Mondrian, qui est donc l'Icon Brickell, juste pour revenir dessus, c'est le W, la chaîne d'hôtels W. Il y a trois tours, il y en a deux qui sont résidentielles et une qui est hôtel W et donc qui permet de faire ça. Il y a des amenities assez exceptionnelles. Et puis le Mondrian qui est sur Miami Beach, qui a une très belle situation, de très belles vues, un restaurant très sympa, qui offre des prix plus abordables en valeur, donc 400 000 $ pour la chambre classique jusqu'à 1 million de dollars pour les trois pièces. Mais le produit intéressant, selon moi, c'est les one bedroom ou les studios. Voilà, donc entre 400 et disons 600 000 $. Et ceux-là, ils viennent complètement meublés. Donc voilà pour le type de produits appartements classiques qui peuvent être loués aujourd'hui en Airbnb. Et puis après, pour ceux qui sont intéressés, mais ça, c'est un tout autre type de produit, il y a également l'acquisition de multifamily, donc des immeubles en copropriété, donc vous achetez tout l'immeuble. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez, et si la zone le permet, vous pouvez les meubler et les louer aussi en courte durée. Donc nous, on fait ça pas mal sous notre marque Happy Living. Donc s'il y a des gens qui sont intéressés, on peut en discuter pareil au cas par cas. Voilà. Ok, parfait. Michael, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Non, peut-être, je ne sais pas le niveau de connaissance du processus d'achat ici, avant de justement passer la main sur des étapes du processus d'achat qui sont le financement, la comptabilité, puis la fiscalité, peut-être donner des conseils rapides aux gens ici qui souhaitent acheter. Vas-y. Voilà, donc je pense que c'est très important d'avoir une vision très claire de ce que vous souhaitez faire, de vos objectifs et d'acheter en fonction, donc que ce soit du locatif, du patrimonial et de pas changer de vitesse en cours de route. Parce que si vous avez une vision à 10 ans et que vous vendez dans 2 ans, vous allez sûrement faire une erreur et rater le potentiel qui était prévu au départ. Et je l'ai vu ces 10 dernières années, donc c'est pour ça que j'en parle. Très souvent, les gens prennent parfois un peu peur et puis oublient que le produit a été acheté pour être gardé pendant 7 ans, 10 ans, etc. Il faut prévoir, donc ça vous verrez ça avec Pascal, prévoir une très bonne structure d'achat qui correspond à vos objectifs. Donc si c'est pour habiter vous-même, c'est pas la même chose que si c'est pour faire de la location, et puis une structure qui vous permettra d'optimiser votre succession. C'est très important, les gens n'y pensent pas souvent au moment de l'achat, et les années passent et à un moment donné la question se pose, et en fonction de comment l'achat a été fait, ça peut avoir des impacts importants. Avoir un bon avocat et un bon expert comptable, c'est très important. Donc ça, on peut vous en conseiller, et vous en avez ici sur French Morning, sur ce webinar, qui sont très bons. Et avoir un agent, selon moi, un agent qui est spécialisé par type de produit et par quartier, c'est la clé, parce que c'est impossible de dire qu'on connaît tout. Moi, personnellement, je suis spécialisé sur Miami, mais je ne peux pas vous aider sur Miami, sur Fort Lauderdale ou sur Palm Beach, parce que j'y connais rien. Je suis sûr que je pourrais trouver des choses, mais j'aurais aucune valeur ajoutée, si vous voulez. Donc ça, c'est important. Et dans le cas de la location, c'est très important d'avoir un property manager dont c'est le vrai métier, parce que sur Airbnb, on est noté, comme vous savez, et en fonction de la note de votre bien, l'algorithme vous met en avant ou pas. Donc une mauvaise note peut vous coûter très cher, et une bonne note peut vous rapporter
beaucoup plus. Donc, je ne veux pas faire de la self-promotion. Nous, on a 80 biens en gestion sur Airbnb de toutes sortes, des petits appartements ou des appartements qui se louent, des maisons qui se louent à 50 000 $ et plus le mois. Et c'est ma femme qui s'occupe de ça, Zelda, et elle a à peu près 400 revues positives. Donc, quel que soit le bien qu'elle va rentrer aujourd'hui, il va être automatiquement mis en avant. Et donc, ça permet d'augmenter les revenus et de limiter le nombre de jours sans location. Voilà, je pense que là, j'ai fait le tour. Mais s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas à les poser et on y répondra à la fin. Merci. C'est comme sur Booking, si on a une bonne note, il y a des réservations. Si on a une mauvaise note, on n'a pas de réservation. Merci. C'était très précis, plein de conseils. Merci d'avoir pris le temps, Michael. On ne part pas, tu vas rester en backstage et puis on te reprendra pour le question-réponse après. Et on va tout de suite enchaîner sur le financement parce que maintenant, on a vu des biens magnifiques et Miami est rempli de biens sympathiques. Mais maintenant, comment on va faire pour acheter ? Eh bien, on va essayer. On peut acheter cash, mais on peut aussi financer et je pense que c'est important. Et Muriel, j'ai vu votre question. Ne vous en faites pas, on la posera à la fin. Betty, on t'écoute. Avant que Betty ne parle, juste un petit disclaimer. Betty étant HSBC États-Unis, tous les gens qui habitent à l'étranger, elle n'aura pas le droit de répondre aux questions aujourd'hui en public. Par contre, elle est très ouverte à parler avec vous en privé, donc n'hésitez pas à la contacter. Et elle pourra répondre à toutes vos questions en privé, mais pas en public, puisque voilà, HSBC est une très grande banque et donc elle a quelques règles mises en place, bien entendu. Donc tout ce que Betty va dire aujourd'hui en public sera pour les gens qui sont déjà résidents aux États-Unis, que vous soyez américain, carte verte, visa, résidents fiscaux aux États-Unis. Voilà. Betty, la parole est à toi. Comment on se fait financer quand on veut acheter à Miami ? Super, merci beaucoup Romain, merci Michael et bonjour Pascal. Donc comme d'habitude, toujours sympa d'être avec French Morning. Je vais parler maintenant de financement. Une fois que vous avez trouvé votre maison de rêve avec Michael, vous venez chez moi. Donc comment ça marche ? On va parler de trois différents types de clients. Donc, le client qui est américain, citoyen, qui est ici, ça fait plus que 2 ans. On peut leur proposer de leur donner pour une maison principale un financement jusqu'à 80%. Mais vu qu'on parle maintenant d'investissement locatif, on peut vous donner entre jusqu'à 70% jusqu'à 85% dépendamment du produit. Donc, ça, c'est pour les investissements pour les financements pour les investissements locatifs. Bien sûr, il faut toujours que vous soyez approuvé en termes de votre revenu, en termes de vos actifs et en termes de votre crédit. Donc ça, c'est un premier type de client. Ensuite, il y a les clients, par exemple, qui viennent tout juste de déménager aux États-Unis et qui n'ont pas le 2 ans d'historique ici aux États-Unis. Donc, vous n'avez pas encore un credit score, vous n'avez pas encore 2 ans ici avec votre travail, mais vous avez un visa, bien sûr, légal qui vous donne la permission de travailler ici. Donc, nous, on est à peu près une des seules banques qui travaillons avec les clients comme ça. Si vous achetez une maison principale, même si vous n'avez pas de score et tout, on peut vous donner jusqu'à 75%. Et si vous achetez un investissement locatif, on peut vous donner jusqu'à 60%. Mais bien sûr, c'est toujours cas par cas. Il faut toujours être approuvé pour tout le reste des choses. Le revenu, le crédit, les actifs que vous avez. En termes du mortgage, le mortgage est toujours à votre nom principal et vous avez le choix de mettre le titre de la propriété sur une LLC, une US LLC, US Corporation ou sur votre nom principal. C'est comme vous voulez, c'est comme vous verrez avec Pascal qu'est-ce qui est le mieux de faire. Maintenant, là où on est très différent, ce sont pour les clients qui habitent
et travaillent à l'extérieur des États-Unis. Je ne peux pas vraiment rentrer dans les détails, mais ce que je veux vous dire, c'est que nous avons un produit pour vous, que ce soit pour une maison secondaire ou pour maison d'investissement, malgré que vous n'avez ni de numéro d'assurance sociale américain, ni que vous faites vos revenus de taxes foncières ici aux États-Unis, malgré que vous n'avez rien, on peut quand même vous aider et on a des produits pour vous. Et again, c'est toujours la même chose, c'est cas par cas et ça dépend de tous vos crédits, vos revenus et vos actifs. Maintenant, une chose qui est importante aussi, c'est que vu qu'on parle d'acheter dans des condos, dans des buildings, juste sachez ici qu'aux États-Unis, vous pouvez vous être approuvé, mais il faut aussi que le building soit approuvé. Donc, il faut toujours vérifier avec moi l'adresse du building, que je vérifie que c'est bien sur notre liste qui est déjà approuvée. Si ce n'est pas déjà approuvé, on peut faire une review et demander les documents au condo management et on fait cette revue pour vous. Qu'est-ce qu'il y a d'autre vraiment? Donc, pour les clients qui préfèrent acheter cash pour être plus rapide et avoir plus de pouvoir, vous pouvez toujours acheter cash et dès que vous achetez, vous me revenez et on voit qu'est-ce qu'on peut faire. Bien sûr, avant de prendre cette décision, il faudrait qu'on se parle d'abord parce qu'il faut que je vérifie pas mal de choses. Aussi, en général, Michael aurait besoin d'un pre-approval parce qu'ici, à chaque fois que vous voulez mettre une offre, vous avez besoin d'avoir un pre-approval. Ça, je peux vous le donner. Donc, comment ça marche, c'est qu'on se parle, on s'assure que tous les numbers sont bien, que ça va marcher. Ensuite, vous appliquez. Vous appliquez, ça prend vraiment pas longtemps, comme 15 minutes. Ensuite, l'application me revient, je travaille dessus. En dedans de 24 heures, je vous donne votre pre-approval et il est valide pendant 4 mois. Et là, vous allez commencer à shopiner pour voir un peu qu'est-ce que vous préférez, comment vous préférez faire ça. Et là, on reste en contact jusqu'à ce que vous trouviez la propriété qui vous dit. Bien sûr, ce qui est toujours très important, c'est qu'on ait une première discussion et qu'on discute cas par cas, parce que chaque cas est complètement différent l'un de l'autre. Et voilà, on offre tout genre de produits, des produits fixes, des produits ARM. En général, il n'y a pas de prepayment penalty si vous voulez repayer votre crédit plus tôt. Voilà. Donc, c'est un petit peu en gros. Et bien sûr, une fois que j'ai une discussion individuel, on peut rentrer dans les détails. Merci, Betty. Merci. Est-ce que tu peux, on prendra quelques questions à la fin, mais est-ce que tu peux juste nous expliquer ce que c'est le credit score pour les gens qui ne sont pas encore au courant? Oui, alors ici aux États-Unis, c'est une des choses les plus importantes, c'est le credit score. Ça veut dire qu'il faut que vous montez votre crédit et c'est complètement l'inverse de la montée européenne. Ça veut dire ici, plus vous avez de cartes de crédit, plus vous montez votre credit score qui est très important d'avoir ici. Donc, il faudrait que vous appliquiez à plusieurs cartes de crédit ici et que même si vous donnez une petite limite, ce n'est pas grave, mais il faut que vous l'utilisez et que vous payez toujours à temps. Et là, ce que vous faites, c'est que vous montez votre credit score. Et vous avez besoin de ce credit score pour tout, si vous voulez louer une voiture, si vous voulez vraiment pour tout. Et ça prend du temps pour le construire, donc il vaut mieux commencer depuis le début. Merci. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, on les prendra à la fin pour Betty. Et puis, on va parler aussi maintenant de comment on va être taxé, comment on va pouvoir optimiser tout ça pour cet achat. Betty, on te retrouve dans quelques minutes et on va recevoir Pascal Gibert. Ok, bonjour et merci de m'avoir. J'espère que tout le monde va bien. Donc oui, je vais parler un peu
dans les grandes lignes de la fiscalité. Et Romain, pour te dire, la date butoir, c'est le 18 cette fois-ci, parce que vendredi, c'est férié. Voilà. Alors, je vais. Merci pour la précision, Pascal. De c'est rien. Vrai qu'on a quelques jours de plus cette année grâce au jour férié demain aux États-Unis. Alors, je crois que tu voulais partager une présentation. Hein. Oui, alors c'est slide et your computer. Ah non, c'est pas ça. Attends. Il faut que je fasse stop screen et après que je remette share. Excusez-moi. Non. Évidemment. Share screen. Ok, voilà, c'est bon. Je l'ai trouvé. Excusez-moi. Je pense que Julien en back office va l'afficher et qu'il le reçoit. Est-ce que vous le voyez là? On est bon. Julien est bon. Voilà. Donc, mon nom, c'est Pascal Gibert et le nom de la compagnie, c'est Gibert. Pas très original. Voilà. Donc, je fais de la comptabilité et de la fiscalité. Donc, je vais parler vraiment, me concentrer sur la fiscalité. Si vous avez un bien à Miami et que vous faites de la location avec Airbnb, oui. Donc, en fait, vous pouvez acheter votre bien de deux façons. Et la façon, c'est la première façon, c'est enfin, il n'y a pas de première façon, mais il y a la personnelle. Vous pouvez l'acheter en direct sous votre nom personnel ou vous pouvez l'acheter sous le nom d'une structure. Une personne morale. Et en fait, quelle est la meilleure méthode parce que c'est de la location, il n'y a pas vraiment d'avantage de le faire en direct, en personne physique. Et donc, c'est mieux de le faire sous une structure. Et cette structure, en fait, c'est pour vous protéger. Et il y a deux types de structures aux États-Unis. Et une, c'est ce qu'on appelle la LLC, Limited Liability Company, ou la Inc, qui est aussi connue sous le C Corp. C'est une corporation. Alors, quelle structure choisir? En fait, chaque type de structure est imposé différemment. Et là, je vais parler de la LLC. Et cette LLC, en fait, vous protège de votre patrimoine. Si quelqu'un vous attaque aux États-Unis, et on sait que aux États-Unis, c'est assez fréquent. C'est quand même un pays procédurier. Donc, c'est important de se protéger, de protéger votre patrimoine. Et donc, de créer une LLC, ça va vous protéger de votre patrimoine personnel. Et en fait, la personne que peut vous attaquer sur le patrimoine ou sur l'actif de votre compagnie. Et ils ne peuvent pas aller au-delà de ça. Donc, si vous attaquent et qu'il n'y a qu'un bien sur votre compagnie, il ne peut vraiment que vous attaquer sur ce bien seul. Et donc, pour parler de fiscalité, la LLC est une compagnie transparente. Et c'est-à-dire que c'est les membres qui sont taxés. Et l'imposition se fait par tranche. Je ne sais pas si vous voyez bien le tableau, mais en fait, ça va, les tranches fédérales, elles vont entre 10 et 37%. Donc, si vous faites un résultat fiscal de 10 000 $, vous serez taxé à 10%. Si si vous faites un résultat fiscal de 30 000 $, vous serez taxé entre 10 et 12%. Alors, je vais expliquer pourquoi j'insiste sur le résultat fiscal et on va en parler un petit peu plus loin. C'est grâce à l'amortisation du bien. Vous pouvez être positif, mais sur papier, avec l'amortisation, vous serez
possible, enfin, ça se peut que vous serez en négatif et donc pas de taxes à payer. Alors, je peux prendre un exemple. Si vous avez fait 15 000 dollars de résultats positifs fiscal, donc vous serez taxé jusqu'à à 10% de jusqu'à 10 000 dollars 275 pour être exact, et la différence sera taxée donc les de 10 000 à 276 sera taxée à 12%. Donc voilà, ça c'est pour la LLC. Pour la Inc, alors c'est complètement différent. Il n'y a pas de tranche. Et si vous gagnez 1 dollar ou 1 million de dollars, c'est le même taux. Et vous êtes imposé à 21% au niveau fédéral. Et au niveau de l'État, la Floride, c'est 5,5. Et par contre, si je reviens sur la LLC, j'ai pas noté, mais il n'y a pas de taxe en Floride pour les LLC au niveau des membres. Sinon, vraiment quoi choisir, c'est tout dépend en fait de c'est du cas par cas en fait, tout dépend de combien vous investissez et votre patrimoine. Donc c'est bien de faire un rendez-vous. Avant de prendre une décision, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi ou un autre expert comptable pour vous donner une idée qu'est-ce qui est le mieux dans votre cas. Voilà. Là, on peut parler un peu plus en détail comment vous êtes taxé. Alors, si vous avez un bien locatif, évidemment, Airbnb, vous allez recevoir vos revenus et vous pouvez déduire toutes les charges comme les taxes foncières, l'assurance, le management de la propriété, les voyages pour y aller voir la propriété. Et après, ça s'ajoute l'amortisation. Et l'amortisation, en fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez un bien, on va prendre un exemple d'un bien pour faciliter les calculs de 275 000 dollars. Si vous le divisez par 27,5 années, ce qui est la règle, ça fait 10 000 dollars de réduction. Donc, vous pouvez passer d'un résultat positif à un résultat négatif avec cette dépréciation. Et en fait, c'est vraiment sur papier, vous perdez de l'argent, mais en réalité, vous en gagnez. Et donc… ça, c'est un bon avantage fiscal pour les investissements. Alors, j'ai marqué sur la feuille, la perte fiscale n'est pas perdue. En fait, tout dépend si vous êtes américain ou non américain, parce que si vous êtes américain, vous pouvez déduire la perte chaque année si… à la hauteur de la perte, si vous avez des revenus à la hauteur de la perte. Par contre, si vous êtes non-résident américain, cette perte fiscale, en fait, n'est pas perdue parce que quand vous allez revendre votre bien, en fait, vous pouvez mettre ces pertes sur les réduire sur la perte vous pouvez réduire, excusez-moi, sur la plus-value de ces pertes. Voilà. Ce qui est important aussi à savoir, c'est que quand vous faites vos déclarations aux États-Unis, il faut aussi les déclarer en France et vos actifs et le revenu. Il n'y a pas de double taxation. Donc, vous ne payerez pas plus d'impôts en France et vous aurez un crédit d'impôt à la hauteur de la taxe que vous avez payée aux États-Unis. Alors, qu'est-ce qui se passe à la vente? En fait, si vous avez vendu votre bien, il va avoir une le mieux, c'est qu'il y ait une plus-value. Et s'il y a une plus-value, comment elle est taxée? En fait, ce qui se passe, c'est que vous prenez votre prix de vente et tous les frais, vous déduisez tous les frais de prix de vente, comme les commissions, par exemple. Et après, moins le prix d'achat.
et moins les pertes accumulées si vous êtes non-résident. Mais par contre, il faut rajouter l'amortisation. Et ce résultat, en fait, sera taxé entre 0 et 20 % 0 si c'est moins de 40 000 $, et si c'est plus, c'est du 20 %. Voilà. Alors, j'ai fait le tour vite fait de la fiscalité aux États-Unis, mais vous pouvez me contacter pour en savoir plus, vu que c'est quand même du cas par cas. Merci, Pascal. C'était très précis, en tout cas, et je pense que tu as vraiment abordé les points les plus importants, surtout pour... c'est pas toujours évident, parce que il y a des gens qui peut-être connaissent bien, d'autres qui connaissent pas du tout, donc je pense que c'est une très bonne overview. Et corrige-moi si je me trompe, mais l'histoire de l'amortisation en France, on n'y a pas le droit, hein. C'est quelque chose de très américain. Non, l'amortisation, c'est tu peux en France, mais tu peux, tu as le choix si tu veux ou tu veux pas. Mais aux États-Unis, c'est obligatoire. D'accord. Ok, parfait. On va rappeler du coup nos intervenants de la session. Voilà. Merci de revenir. Donc, on va passer aux questions. On avait une première question de Muriel qui nous suit sur YouTube. Très directe. Quelle est la rentabilité, Michael? Bonne question. Elle dépend du type de bien, mais disons entre 4 et 6,5 net. Enfin, ça peut aller à plus en fonction des endroits, mais sur le type de bien dont j'ai parlé, entre 4 et 6,5 net. Ok. Question cash, réponse cash. Merci beaucoup. Pour ceux qui nous rejoignent en cours de route, vous voyez des QR codes partout qui s'affichent à chaque fois qu'un intervenant répond à une question. C'est très simple, hein, c'est comme au restaurant. Je pense qu'on n'a plus besoin de l'expliquer. Vous passez sur le QR code et vous arrivez directement sur la boîte mail de l'intervenant, et vous pouvez leur poser des questions peut-être que vous souhaitez aborder en privé. Alors, Pascal, on avait une question pour toi de Jean-Marie sur Facebook qui demandait quels sont les avantages pour les taxes IMO en Floride. L'avantage, c'est la dépréciation, quoi. Mais je ne suis pas sûr de la question est un peu vague, donc c'est difficile de... Oui, je pense que c'était surtout sur est-ce qu'il y a des avantages Floride versus le reste des États-Unis. Ah, voilà. Oui, bonne question. Oui, tout à fait, parce que la Floride, c'est quand même un des rares États où il n'y a pas de taxes en Floride. Si vous êtes à New York, par exemple, il va y avoir la taxe fédérale, la taxe de New York, l'État, et la ville. En Floride, en fait, il n'y a que la taxe fédérale. Ok. D'ailleurs, c'est un sujet que tu connais bien, parce que je crois que tu fais les taxes pour des gens qui ne sont pas que en Floride. Hein. Tout à fait, oui. Mm-hmm. Ok, d'accord. Alors, Magali qui nous demande, c'est à nouveau pour toi, Pascal, donc c'est sur YouTube. Une fois qu'on a acheté un bien en propre, est-il possible, après 1 an, 2 ans, de le passer en LLC, ou est-ce que c'est trop tard? Non, c'est jamais trop tard, mais ça demande un peu de papasserie et à faire, mais c'est tout à fait faisable, oui. On avait une question pour toi, Michael, sur LinkedIn. Est-il possible d'acheter des Airbnb à plusieurs si on veut se mettre avec des amis, de la famille? Est-ce que on peut faire ça à plusieurs? Ça, c'est plutôt une question pour Pascal. C'est-à-dire que, en fait, si vous décidez d'acheter ça à plusieurs, vous allez faire ça dans le cadre d'une société. Et dans cette société, on ne va pas rentrer dans les détails du type de société, mais en gros, il y a un actionnariat ou des membres. Et en fonction de ce que vous décidez entre vous, vous vous attribuez le nombre d'actions. Donc, si vous êtes 10 et que vous voulez acheter un bien à 1 million et que vous mettez chacun 100 000, vous avez 10% des parts du bien. Donc, c'est achetable
en groupe ou seul dans le cadre d'une, d'une société. Pascal ? Oui, tout à fait. je confirme. C'est bien ça. C'est le mieux, c'est de faire une LLC, de l'acheter au nom de la LLC ou de la Inc. Tout à fait. Parfait. Alors, par contre, c'est une question intéressante et peut-être qu'on Betty peut y apporter des précisions. Parce que j'ai eu le cas hier en famille, justement, entre mon père et mon beau-frère. Et donc, eux, ils ont fait un emprunt, ils ont acheté à deux. Ils se sont arrangés entre eux pour se céder les parts l'un à l'autre. Par contre, le souci, donc c'est en famille, donc ça va. Mais si vous faites ça entre connaissances qui ne sont pas des familles, ça peut poser de problèmes. C'est que quand vous changez, quand il y a un membre de la société ou un actionnaire qui part, vous êtes censé le déclarer à l'organisme qui a fait l'emprunt pour vous. Et cet organisme-là peut décider que du coup l'emprunt devient caduque et donc la somme doit être remboursée immédiatement. Alors forcément, le problème ne se pose pas si c'est un investissement en cash, mais si vous faites ça à plusieurs avec un investissement, il faut savoir que le changement de l'actionnariat peut avoir des conséquences. Betty ? C'est vrai que par la loi, il faut que ce soit reporté à la banque avec qui vous avez le mortgage. Est-ce que les gens le font ? Pas nécessairement, mais par la loi, oui, ça devrait être fait. D'accord. On a une question de Alpha qui nous demande comment pouvons-nous sur YouTube trouver un bon property management manager sur Airbnb ? Quel pourcentage il demande ? Michael, c'est pour toi. Alors, très bonne question. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très important d'avoir un très bon property manager parce que en fonction de la qualité de la gestion, vos locataires vont être plus ou moins satisfaits. Et en fonction de ce niveau de satisfaction, vous allez avoir une plus ou moins bonne note. Et en fonction de cette note, vous allez être plus ou moins bien classé sur Airbnb et donc gagner plus ou moins de l'argent. Ici, il faut savoir, donc il y a deux parties dans les frais liés à la location. Il y a les commissions, donc elles sont les mêmes quel que soit le type de location, donc c'est 10% et donc ces 10% sont répartis de la façon suivante: 5% pour l'agent du locataire et 5% pour l'agent du propriétaire, donc c'est 10% sur le montant brut de la location. Donc si vous louez votre bien 3 000 $ par mois pendant 12 mois, ça fait 36 000, ça fait une commission à donner de 3 600 qui sera divisée par deux entre les deux agents. Voilà, mais ça ne comprend pas la gestion. Et donc, la gestion, c'est encore 5 à 15% supplémentaires en général. Bon, après, il y en a qui prennent beaucoup plus que ça. En général, quand c'est 6 mois et plus de location, donc ça demande un peu moins de management, c'est 5%. Quand c'est au mois, c'est dans les 10. Et quand c'est à la nuit, c'est 15%, voilà, parce que forcément, il y a beaucoup plus d'allées et venues, beaucoup plus de gens qui découvrent l'appartement et qui vont demander la même question que le type trois jours avant de comment marche la machine à laver, etc. etc. Et puis, il faut savoir qu'aujourd'hui, les gens, les locataires, quel que soit le type de bien, sont extrêmement exigeants. Et l'autre jour encore, ma femme a reçu un appel à peu près à minuit demandant où c'est que je peux me garer parce qu'il n'y avait plus de place devant l'immeuble alors qu'il y avait plein de place dans la rue. Donc, bon, voilà. Donc, ma femme a répondu parce que je ne sais pas pourquoi. Elle est très consciencieuse et elle a très, très peur surtout d'avoir une mauvaise note sur Airbnb parce que ça détermine son business. Donc, des property managers, bah, y en a pas mal. Vous pouvez les trouver sur Google. Après, pour voir s'ils sont bons, vous pouvez demander à vos amis. Vous pouvez aussi utiliser nos services. Comme je l'ai dit, ma femme s'occupe de ça toute la journée. Elle a tout type de biens sur Miami, des studios à des penthouses ou villas de luxe, donc vraiment tout type de biens à tout prix. Et elle a surtout une bonne équipe de travail. Donc, quand je dis bonne équipe, c'est plombier, électricien, homme à tout faire pour adresser les problèmes
des gens le plus rapidement possible. Parce que ça, c'est la clé. Si vous avez un problème d'air conditionné et que ça met 3 jours à être réglé, ça va vous créer des problèmes. Voilà. Et puis, elle a à peu près 400 revues positives sur Facebook, ce qui est pas évident. Quand vous avez un bien, c'est facile. Quand vous en avez énormément, forcément, vous accumulez les risques de problèmes. Donc, ça demande une exigence assez importante et une expertise très importante au quotidien, de la gestion des locataires, de la gestion des problèmes et la gestion de ses équipes. Voilà. Donc, si vous avez un bien à Miami, acheté ou pas avec nous, vous pouvez nous contacter. On a des gros problèmes dans les micros. J'espère que c'est pas ton micro, Michael. Vous m'avez entendu ou pas ? On t'a entendu parfaitement. C'est juste qu'il y a des rafales de vent dans ton micro. Pourtant, t'es en intérieur, donc. Mais on réglera ça pour la prochaine fois. Magali, est-ce que tu fais, Michael, du coup, du property management sur Fort Lauderdale ou uniquement à Miami ? Non, à Miami. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que c'est important d'être très spécialisé. Nous, on n'a pas de bien à Fort Lauderdale. On va de South Miami à North Miami. Là, on a des biens à Fort Lauderdale. On a rien. On peut éventuellement vous orienter vers des gens, mais comme ça, de tête, honnêtement, je n'en connais pas. Merci. Alors, on avait une autre question de Marie-Paul sur LinkedIn qui nous demandait « Je suis en France, est-ce que je peux acheter à Miami ou est-ce qu'il faut une carte verte ou un visa ?» Oui, vous pouvez acheter sans carte verte. Et sans visa non plus. Donc, on peut acheter aux États-Unis sans problème. Et même potentiellement se faire financer, mais avoir ça en aparté directement avec Betty. Alpha nous demande, avez-vous un site ? Alors, donc, si les QR codes, si jamais vous n'arrivez pas à scanner des QR codes des intervenants, donc là, vous arrivez directement sur leur email, vous avez leurs coordonnées sur acheterouloué.com. Donc voilà, aux USA, pardon. Donc, vous voyez, www.acheterouloueraux.com. J'en profite aussi pour vous dire que toute la semaine est enregistrée. Donc, vous avez tous les replays sur le site de acheterouloueraux.com et les, bien sûr, les coordonnées directes vers nos intervenants de la semaine. Sacha, combien de down payment sur YouTube, Sacha nous demande. Combien il faut mettre de down payment pour acheter à Miami ? Alors, ça dépend des biens, puis ça va être surtout, ça va dépendre de Betty. Je vais traduire juste, excuse-moi, j'ai oublié de traduire. Down payment en français, c'est le. Quelqu'un m'aide ? C'est le montant que vous devez mettre qui n'est pas financé. L'apport, voilà. C'est l'apport. Exactement, c'est l'apport. L'apport sur votre prêt pour être financé. Si c'est pour une maison propriété locative, dépendamment de plusieurs choses, mais c'est entre 15 et 30%. Voilà. Alors, Alpha qui nous demande, avez-vous un exemple sur un bien en termes de chiffres, le revenu mensuel généré sur Airbnb versus loyer plus charge. Donc, je pense qu'ils veulent dire loyer plus charge si on faisait une location classique, en fait. C'est ça, un bail d'un an ou de… Ouais. Là, j'en ai pas à partager parce qu'encore une fois, ça dépend du type de bien. Et j'en fais de façon… customisé pour des clients qui ont des biens ou qui en recherchent, en leur donnant les deux options, justement. Si vous souhaitez louer en mode intensif, voilà ce que vous allez, voilà ce dont vous pouvez espérer, voilà ce que ça va vous coûter, versus une location longue durée pour qu'ils puissent prendre leur décision. Donc, si la personne qui a posé la question souhaite m'envoyer un email,
pour que je prenne deux, trois exemples pour lui montrer la différence en fonction du type de bien qui l'intéresse. Parce que forcément, si pas tout le monde ne veut pas acheter le même type de bien, mais si c'est un type de bien très bien placé, un studio ou bien un appartement à 50 000 $, enfin à 50 000 $ le mois, c'est pas les mêmes rapports, on va dire. C'est pas qu'une question de coût, c'est pas les mêmes rapports et c'est pas les mêmes échelles à plein de Alpha, niveaux. Si jamais vous n'arrivez pas à avoir le contact de Michael, bon, il y a toujours mon adresse mail à moi. En général, les gens l'ont parce qu'on envoie des invitations avec mon adresse. Et si jamais vous répondez à n'importe quel email que vous avez reçu de French Morning, et ça remontera et puis on le forwardera. Mais si vous scannez le QR code qui était affiché il y a quelques secondes, vous avez l'email de Michael. Alpha and Partners dit que, voilà, j'ai exactement oui, ça. Oui. Ils ont une propriété en tête. Voilà, donc il est intéressé, donc il va te contacter. Alors, question de Sacha sur YouTube. Comment obtenir un mortgage, donc un prêt pour un investissement pur, sans être en carte verte ou américain ou en visa E2. Donc ça, c'est les réponses qu'on peut faire au téléphone avec Betty, puisqu'elle n'a pas l'autorisation de sa banque d'en parler en public, mais elle a l'autorisation d'en parler en privé avec vous. Donc vous avez le QR code de Betty qui s'affiche à droite. Vous pouvez la contacter directement, vous arrivez à son adresse mail. Et Betty ne vous envoie pas de facture pour répondre à toutes vos questions. Elle est passionnée. Ça fait des années qu'elle fait les webinaires de French Morning et elle a accompagné beaucoup de gens et des amis à moi aussi qui n'arrivaient pas à se faire financer. Donc, n'hésitez pas. Nawen sur YouTube qui nous demande « Y a-t-il des quartiers plus rentables pour investir en Airbnb ?» J'ai entendu dire qu'il y avait des régulations dans certaines zones. Oui, alors c'est ce dont on a parlé à un moment au début de ce webinaire. Tout à fait, il y a énorme, enfin l'essentiel de Miami ne permet pas de faire du Airbnb. En tout cas, l'essentiel de Miami Beach ne permet pas de faire du Airbnb. Et encore une fois, par Airbnb, j'entends un jour à un mois de location. Par contre, si vous faites du Airbnb un mois et plus, là, il y a plus de facilité et vous pouvez faire ça un peu partout quasiment en fonction de la réglementation du building. Ce n'est pas qu'une question de zone. Vous pouvez être dans une zone qui autorise la location de un mois, mais le building, la copropriété décide que c'est 6 mois minimum pour diverses raisons. Est-ce qu'il y a des quartiers plus safe que d'autres? Moi, je trouve que bon, Miami, dans son ensemble, c'est quand même assez safe. Les zones dans lesquelles on vous ferait investir. Downtown est en train d'exploser, donc je pense que c'est un bon endroit où acheter. Mais pour reprendre votre point, il n'y a pas beaucoup d'immeubles qui permettent cela, sauf cette nouvelle génération d'immeubles dont j'ai parlé tout à l'heure, qui auront la licence Airbnb et qui permettront la location à la journée ou au mois. Donc, ce seront d'excellents investissements et dans des zones safe. Aujourd'hui, si vous voulez investir, je ne sais pas si on peut envoyer le… Bah, si vous m'écrivez, je pourrais vous envoyer le deck de présentation justement avec deux biens qui existent aujourd'hui qui sont le Icon et le Mondrian par exemple, mais il y a aussi le Hyde Beach à Hallandale qui sont des biens très safe, très bons pour l'investissement Airbnb rentable. Et sinon, vous avez ces nouveaux programmes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont aussi très bien placés, safe et qui apporteront une belle rentabilité. Mais effectivement, la clé, c'est qu'on ne peut pas louer en Airbnb partout. Et d'ailleurs, dans 90% des lieux, on ne peut pas louer en Airbnb à court terme. OK. Donc là, on a dépassé l'heure, mais on a encore des questions. Donc, on va rajouter 5-10 minutes. Donc, si vous avez des questions, posez-les tout de suite. Comme ça, on pourra y répondre. Véronique, sur YouTube, elle nous demande, y a-t-il un minimum d'investissement pour une propriété? Quel est le tarif moyen
pour une location. Donc ça, c'est deux questions séparées. Bah, si c'est pour Airbnb, le minimum, c'est 500 000 $. Pour trouver un bien, et encore ce serait un peu compliqué, mais c'est possible. Et par rapport au loyer espéré, comme j'ai dit, il faut compter du 5, 6, entre 4 et 6%, 6,5% net en fonction du bien. Si c'est pour un bien qui ne soit pas Airbnb, en fonction du standing de l'immeuble, du type de bien, par exemple, à South Beach, dans des petits buildings art déco sans service, mais très sympa, à quelques minutes à pied de la plage et des artères commerçantes, vous pouvez très bien trouver votre bonheur pour un deux pièces, pour 250 000 $, par exemple. Voilà, ça, mais ce sera un immeuble sans service, mais très sympa, et qui se louera dans les 2000, entre 1800 et 2200, en fonction du type de bien, en meublé, mais à l'année, ou 6 mois minimum, quoi. Voilà. Parfait. Je crois qu'on avait une question, de Jean-Marc sur LinkedIn, qui demandait, je crois que tu en as parlé rapidement, mais est-ce que tu peux nous refaire un topo sur qui c'est qui paie les frais pour l'agent immobilier quand on achète un bien en Floride ou à Miami? Très bonne question. Quand vous achetez, vous ne payez rien. Quand vous vendez, vous payez les deux parties. Et les commissions standards, c'est 6%. Donc, c'est 3% pour l'agent de l'acheteur, 3% pour l'agent du vendeur. Donc, en tant qu'acheteur, vous ne payez rien. En tant que vendeur, vous devez payer ces 6%. Voilà, parce qu'en fait… Et pour la location, c'est pareil. C'est le propriétaire qui paye les agents des deux parties, donc qui paye son propre agent et qui paye l'agent du locataire, qui a amené le locataire. Voilà. Parce qu'en fait, on recommande, et c'est pratiquement, enfin c'est dans la mentalité américaine, en tout cas c'est ça paraît évident, mais il y a toujours un agent acheteur, un agent vendeur. Il y a toujours exactement. Alors c'est très important parce que légalement, l'obligation d'un agent du vendeur est de protéger le vendeur, c'est-à-dire d'essayer d'obtenir le plus d'argent possible pour le vendeur. Donc, ses objectifs à cet agent-là sont à l'opposé des objectifs de l'agent de l'acheteur qui, lui, est censé, légalement, doit essayer de faire le plus possible pour obtenir le meilleur prix. Donc, si votre agent, si vous passez directement, par exemple, si vous voyez un listing sur Internet et que vous contactez l'agent de ce bien, donc c'est l'agent du vendeur, il va répondre à vos questions, il va vous aider, il peut même faire la transaction pour vous, mais il n'est pas légalement dans l'obligation de vous conseiller au mieux. Il n'est pas non plus dans l'obligation de vous dire que il y a… un an, quand il y a eu une tempête, l'eau est montée de 1 mètre à l'intérieur dans le salon et a tout inondé. Puisque lui, son but et son obligation est envers son client qui est le vendeur. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir un agent qui représente vos intérêts à vous. De toute façon, vous ne le payez pas. Bon, même si c'est au final, c'est une équation, mais… mais c'est le meilleur moyen d'obtenir non seulement le meilleur prix et surtout d'avoir toutes les informations nécessaires liées à la propriété parce que votre agent est censé poser les bonnes questions, votre agent est censé, si vous achetez dans un immeuble par exemple et qu'au pied de cet immeuble, vous voyez qu'il y a une petite maison ou un petit commerce qui à coup sûr dans quelques années va être détruit, acheté par un promoteur qui va construire un immeuble de 50 étages. Donc, votre vue va être complètement bloquée et la valeur de votre bien va être affectée. Si vous ne parlez qu'au vendeur, vous pouvez être certain qu'il ne va jamais penser une seconde à vous dire « faites attention, en bas, il y a ce terrain-là, on sait que… » ils sont en pourparlers et qui vont construire ça. Ça, vous êtes sûr et certain. Et donc, vous allez acheter
Et c'est ce qui se passe parfois quand des gens vont dans des bureaux de vente de nouveaux immeubles, parce que l'immeuble n'existe pas, donc tout est vague. Et si vous n'avez pas quelqu'un qui joue le rôle de l'avocat du diable et qui veut vraiment du bien, il ne va pas se poser ce genre de questions. Et donc, il y a plein de gens qui ont acheté dans des immeubles à Brickell, par exemple, parfois la vue mère, donc la vue la plus chère, et qui aujourd'hui se retrouve, et j'ai un exemple en tête, avec un immeuble de bureau dans lequel il y aura Google, Amazon, etc. Et l'immeuble sera à peu près à 5 mètres d'eux en vis-à-vis, bloquant totalement la vue pour laquelle ils ont payé un premium. Voilà. Et tout ça aurait été parfaitement prévisible par un agent, pas forcément un agent d'acheteur, parce qu'il y a plein d'agents d'acheteurs qui ne se sont pas posé la question, mais bon, un agent d'acheteur est censé faire ce travail-là, et un bon agent, clairement, doit se poser ce genre de questions et vous en faire part. Voilà. C'est comme pour acheter à Monaco, à Mimi. Ouais, ça, un petit peu, mais ça devient un peu Monaco, là, je dois dire. Bon, je vous rassure, hein, ce n'est pas les mêmes prix que Monaco. Ce n'est pas les mêmes prix encore. Ok, ouais. On va clôturer. Merci d'avoir accepté de rester jusqu'à la fin et d'avoir accepté l'extension. On va vous libérer, merci. Et puis, on va avoir la suite du programme de la semaine. On arrive à la fin. Acheter ou louer à Los Angeles, qui a lieu dans 1h45 à peu près. Pour ceux que ça intéresse, restez et revenez vous connecter tout à l'heure. Merci de nous suivre. Pour les gens que ça intéresse aussi sur French Morning, la semaine prochaine, on a pas mal de webinaires, donc un autre sur l'investissement dans les terrains. On a aussi une interview d'entrepreneur le vendredi 22, entrepreneur qui vient de vendre son entreprise à 102 millions d'Artagnan, pour ceux qui connaissent. On a un autre webinaire aussi sur les taxes pour les entreprises le 26 avril, donc n'hésitez pas. Pour retrouver tout ça en replay, vous savez que vous pouvez aller sur le site acheterouloueraux.com. Il y a aussi des replays qui sont disponibles sur French Morning si jamais vous ne trouvez pas, que ce soit sur Facebook, LinkedIn ou YouTube. Vous retrouvez tous les replays. Allez, je vous souhaite une bonne soirée pour ceux qui sont en France et un bon appétit pour nos amis aux États-Unis. À bientôt sur French Morning. Bonne journée. Au revoir.